You can push yourself to the limit, be the strong now, jump with me. You can fly above a rainbow with me, close your eyes and just believe. Nothing's gonna stop you and me from getting to where we wanna while the speed is kicking. You know that you're my kindred spirit. Fly with me, Jay-Z, and push you to the limit. You used to hide behind another face. You may feel like you can't go on. If we try side by side, we'll survive, never die. Now you're feeling my flow, what I mean? No doubt that you're feeling like I do. Don't let a chance like this pass by you. A combo like you and me is meant to be. Let's fly across the board. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Ce soir, c'est la 9e émission de Game Onitron. Le rendez-vous que vous avez tous les lundis de 21h à 22h. 9 ans déjà. Non, 9. Le rendez-vous que vous avez tous les lundis de 21h à 22h. Avec vous, on parle de jeux vidéo, mais également de séries télé, de séries animées, de mangas, de films, d'actualités érotico-pornographico. Et plein d'autres choses dont on a de nombreux experts d'ailleurs sur le sujet, sur ce plateau. Alors ce soir, après une petite coupure d'une semaine, mais vous voyez, on revient en pleine forme. Ce soir, c'est émission consacrée... Allez, intégralement aux jeux vidéo, hein, trois jeux, trois exclusivités ce soir. On commencera avec Zelda Link Between Worlds, c'est sorti la semaine dernière sur la Nintendo 3DS. Ça sera notre ami Benoît qui nous le testera tout à l'heure par téléphone. Benoît, que vous connaissez très bien si vous suivez les saisons de Prestart, hein, notre ancienne émission. Également, ce soir, nous parlerons de Ratchet & Clank Nexus, qui est sorti il y a deux semaines environ sur PlayStation 3 en exclusivité, donc le dernier jeu du duo si charismatique de la PS3. Ça sera notamment avec mon acolyte Clank, le frère Ratchet. Salut. Qui sera là, donc Nico, comment vas-tu depuis deux semaines, ça va très bien. La pêche et tout. Ouais, ouais, j'espère bien. Un chibre de fer dans un slip de velours. Il craque déjà. Avec toi aussi, Nico, tu seras aussi notre homme de papier, puisque oui. Nous parlerons de Tear Away, le dernier jeu sorti sur la PS Vita, enfin peut-être même le seul jeu sorti sur PS Vita. Mais non. Des créateurs de Little Big Planet, ça sera en fin d'émission. Également, en présent sur ce plateau, nous avons toujours l'indétrônable Marc. Bonsoir. Et nous avons... Et nous avons, il me perturbe à chaque fois. Et nous avons le El Magnifico, Pierre-Marie à la régie. Comment vas-tu? Si, il y va bien. Je sais pas, non, c'est, je sais pas, bah, bref. Oui, ouais, ça va. Oui, c'est, et toi, comment ça va, pas, Mathieu, animateur de Game. Écoute, ça va très bien, très content de vous retrouver après cette petite. Bah, après 8 ans de pause quand même. Ouais, exact. On a tous vieilli, on a tous grandi. Notre dernier test, il s'agissait de GTA 3 sur PS2. Non, voilà. Donc, tout ce beau programme, ça sera après les actus de la semaine et ça commence tout de suite. Les actus de la semaine qui commencent comme chaque semaine par le chiffre de la semaine. Et cette fois-ci, c'est Nico qui va nous faire le chiffre de la semaine. Ouais. Alors, s'il te plaît, comment vas-tu? Ça va, ouais. Bon, ça va être trop simple. Mon chiffre de la semaine, c'est 5. Persona 5. Ouais. Non, mais c'était pas ça en fait. Si, c'était ça. Oui, c'est ça. Persona 5. 5 millions de Xbox. Atlus a annoncé que Persona 5 sortirait l'année prochaine sur PS3. D'ailleurs, bravo PM, c'est ton premier, non, je crois. Oui, c'est mon premier. Ouais, j'ai passé devant Marc. Il y en a d'autres qui sont. Donc on a vu un. On a vu un teaser qui montre absolument rien.
fait, on voit des chaises avec au pied des chaises des chaînes, avec, au bout des chaînes des boulets. Alors il y a 5 chaises exactement. Ouais, et donc 5 chaises qui ont des chaînes avec des boulets comme des esclaves. Voilà, c'est ça. Ou comme les présentateurs de Game On Nitro. Mais du coup, là, on ne sait pas si ça prendra la même formule que Persona 3 et 4 ou s'ils vont complètement changer le principe. Bon, en tout cas, c'est le même chara designer, même game designer. Ça se voit au niveau des même chaises. Voilà, ouais. Oui, on reconnaît bien. Il y a cette chaise, elle a un air de Yukiko. Celle-là, un air de chier. Enfin. Donc, ouais, non, mais c'est une bonne nouvelle. Tu oublies de citer la phrase qui était écrite qui est: vous êtes un esclave, vous voulez être affranchi. Ouais, voilà. Il y a cette phrase qu'on voit dans le teaser aussi. Donc on rappelle donc tout ce qu'on sait. Persona 5, la série de RPG de Atlus qui est prévue pour l'hiver 2014, en tout cas au Japon. Il y a même d'autres projets Persona sur Shin Megami Tensei, oui. Persona. C'est peut-être Pierre-Marie qui va rebondir dessus. Bon, je peux, Nico ? Oui, vas-y. Tu m'autorises. Alors oui, justement, c'était il y avait un grand teasing depuis quelques temps. On savait qu'Atlus. Un grand teasing, excuse-moi, Persona, il y a la plupart des gens n'en ont rien à foutre. Voilà, mais Atlus faisait un teasing à son niveau. Pour voilà, sans dire de quel jeu il s'agissait. Et justement, ils ont mis un compte à rebours de 72 heures. Au bout du compte à rebours, on a eu droit à un jeu, mais qui n'était pas Persona 5. Et ils ont bien en fait annoncé plein de jeux, mais celui que tout le monde attendait, Persona 5, ils l'ont mis tout en dernier. Donc Atlus, les maîtres du troll, hein, fantastique. Donc le premier Persona qui a été annoncé, c'est Persona Q, Shadow of the Labyrinth. Donc Persona Q, hein, qu'on pourra surnommer PQ plus tard. Après tout, il y a eu bien Persona 3 Fesses, donc pourquoi pas Persona. Son AQ, voilà. Ah, j'ai fait toutes les vannes possibles. Alors, c'est un jeu pour 3DS uniquement, une exclu 3DS où il y aura des versions chibi des personnages de Persona 3 et de Persona 4 The Golden. Je dis The Golden parce qu'il y a aussi Marie. Et on n'a pas trop vu de gameplay. T'as perdu tout le monde qui nous écoutait. Mais bon. Voilà, un personnage supplémentaire par rapport à la première version de Persona 4 qui est sortie sur PlayStation 2 en 2009. On dirait que tu nous cites des conditions générales. Tout à fait. Voilà, non, mais en gros, non, c'est... Chers auditeurs, entendez bien parler de Persona 4. Ta gueule, toi. Ouais, c'est quoi ça, Nico, hein? Attends, qui t'a permis d'éternuer? Dis-le, si tu veux pas jouer, tu joues pas. Encore entendez bien parler de Persona Q sur 3DS parce que ça arrivera certainement jamais chez nous, donc voilà. Oui, voilà. Ah oui, tout ce dont on va parler, c'est des jeux qui sont programmés au Japon. On sait pas si ça va sortir chez nous et on sait pas si ce sera en même date. La date, ça peut être en même temps, un mois après ou même un an après, selon le bon goût des éditeurs. Alors, il y avait aussi une autre annonce, Persona 4 ou Persona 4, The Ultimate Ultra Suplex Hold, qui n'est autre que la version améliorée de Persona 4 Arena. Donc, c'était le jeu de combat de personnages. Je crois que vous vous en souvenez si vous avez suivi un peu l'émission parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment à cause des quelques petits soucis de sortie. Donc le jeu de baston qui n'est pas fait par Atlus, qui est fait par les créateurs de Guilty Gear et BlazBlue, pour le gameplay et la partie technique. Voilà, et du coup, c'est une version qui est déjà sortie il y a quelques temps en borne d'arcade et qui a été annoncée du coup en version PS3 pour l'été 2014. Et il y aura en plus les personnages Yukari et Junpei de Persona 3 et Adachi de Persona 4. Oui, je sais que les gens n'y comprennent rien non plus. Alors ensuite, il y a un dernier projet Persona. Oui, Persona 4 Dancing All Night ou Persona 4 Dancing All Night. C'est un jeu de rythme pour la PS Vita qui est prévu pour l'automne 2014 et sur la vidéo ça ressemble un petit peu à Project Diva, surtout le fait d'avoir des animations de perso en gros plan comme ça et on sait rien. Des Persona. Oui. Voilà, mais rien de sûr sur le fait que Sega ait prêté leur moteur à Atlus, puisque je vous le rappelle, Sega a racheté Atlus récemment. Exact. Donc voilà. Ce qui me rassure pas quant à la publication des jeux en Europe, mais bon, on verra bien quoi. Ouais, peut au moins s'attendre à Persona 5, je pense, en Europe. Ouais, alors je suis même pas convaincu, j'espère être mauvaise langue, mais vraiment, parce que Persona 5, donc, qui sort, donc je l'ai dit, en hiver 2014 au Japon, donc ça reste encore. Sur plus, PS3 d'ailleurs. Sur PS3, ça reste en. J'ai l'impression de dire évidemment. Ça reste encore. Évidemment, ils auraient pu le sortir sur PS4. Ils auraient pu sortir sur la nouvelle génération. Je pensais que t'allais dire sur PS3 et pas sur Xbox 360. Je crois que tu parlais dans ce passé. Ah, il aurait pu sortir sur PS4. Je pense qu'ils sont pas assez armés pour sortir un jeu sur PS4 encore. Mais disons que effectivement, nous sur le plateau, on est tous fans de Persona, 3 et 4 notamment. Sauf Marc.
Sauf Marc, je ne compte plus. Et disons que voilà, moi je m'inquiète, le jeu sortira après un an de commercialisation d'une PS, de la PS4. Ouais. Donc est-ce qu'un éditeur, que ce soit ceux qu'on a l'habitude, hein, qui édite les jeux de Atlus, c'est-à-dire bah, maintenant ça sera peut-être Sega, donc Sega n'a plus d'implantation en Europe, Ghostlight, Rising Star, enfin tous les petits éditeurs à la con, est-ce qu'il y en a un qui va dire, bah tiens, je vais, je sais pas, en début d'année 2015 parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça sera ça. Et il y en a un qui va se dire, tiens, je vais éditer un jeu qui ne se vendra à peine pour la PS3. Tu vois le délire ? Perso, moi, je vois bien une Persona. Sortie sur le PSN uniquement. Pas ouais, de version pas. Boîte, oui, voilà, comme pas. Ils vont faire pour Drakengard 3, en fait. Pourquoi pas, mais effectivement, ça peut être une idée. Mais, ou comme ils ont presque fait pour Persona 4 The Golden. Ouais. Presque. Il est presque sorti quand des... C'est nouveau, quoi. Ouais, c'est des jeux qui sortent vite, presque ouais. En boîte. Oui, comme tu... Oui, oui, comme tu dis, ouais, presque en boîte. Mais bon, voilà, ça sera, on verra bien, j'espère de mauvais ans, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis très très intéressé par le projet. Pour ma news, moi, ça va être peut-être un petit peu plus compréhensible. Ça va être bon, une date de sortie, je pensais que tu allais prendre un truc du genre-là, mais tu m'as bien niqué, connard. Pour le chiffre de la semaine, non, voilà, c'est le 21 mars prochain, 21 mars 2014, sortira les versions HD de Final Fantasy X et Final Fantasy X-2. Bah là aussi, HD, on est perdu, quoi. Final Fantasy, personne ne connaît. Bien sûr. qui sortira donc en France, en Europe, hein, tout ça. Donc les remakes HD de FF10 et FF10-2, hein, donc qui sont là le 21 mars, soit à peu près un mois après la sortie de Lightning Return. FF13, toujours sur PS3 et Xbox 360. Avec peut-être une histoire de contenu en DLC. On les attendait un peu avant quand même. Oui, fin mais 2013, ils sortent fin 2013 au Japon. D'accord. Par contre, ils sortent en décembre au Japon. Donc voilà où on en est en tout cas pour ces deux jeux-là. Vous allez pouvoir retrouver Cloud, Zidane et Latif. Non, non, non. C'est Tidus, Yuna. Mais abattez cet homme. Que et Cécile. Cet homme. bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des news qui intéressent absolument personne d'autre que nous. On va passer. Bah attends, personne à 5, je suis sûr que tout le monde est vachement impatient. Ah oui, non, il y a un autre truc que je voulais dire, un truc qui me fait assez plaisir, une petite big news up qui vient juste de me revenir là-dessus. Big up ils à ont... qui nous écoute, non c'est pas je ça. Pense pas ce soir. Une petite news que j'ai vue aujourd'hui, ils annoncent les projets Sirène sur PS4. Alors qu'est-ce que c'est? C'était à la base. Je dois venir là-bas. Non, c'était sorti sur PS2, Forbidden Siren, donc les jeux d'horreur de Sony. Moi j'apprécie beaucoup. Il y en a deux qui sont sortis sur PS2. Et un troisième épisode qui s'appelle Siren Blood Curse sur PS3. Moi j'adore ces très très bons jeux d'horreur qui passent totalement inaperçus, qui sont faits par la personne qui a créé Silent Hill. Donc la personne de base hein, qui a créé le tout premier Silent Hill, qui n'a pas forcément fait les autres, j'ai jamais retenu son nom, qui a créé aussi Gravity Rush sur PS Vita. Donc ils ont annoncé qu'il y aurait un projet Sirène, voilà, ça s'appelle comme ça, S-I-R-E-N, sur PS4. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste, j'espère que ce sera un vrai jeu, entre guillemets, donc voilà, on en reparlera, j'espère très rapidement. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Mais écoute, on va passer avec notre premier jeu de la semaine, qui est Zelda A Link Between Worlds. Ça sera avec Benoît, et c'est juste après ça. Zelda Link Between Worlds, un Link entre deux mondes, un truc dans ce genre là je crois. C'est sorti sur la Nintendo 3DS la semaine dernière, donc on attendait beaucoup, enfin on attendait les autres, ce dernier épisode de Zelda, en tout cas pour Nintendo, pour la dernière console portable de Nintendo, j'allais dire une connerie là. Et ça, c'est Benoît qui nous l'a testé, qui a joué, qui l'a certainement fini ce matin, enfin, en tout cas j'espère. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Mathieu, salut tout le monde. Salut. Ça va bien. Salut. Il y a Marc qui t'a fait un petit bonjour. Je fais le Marc très très langoureux. Ouais, bah la même chose. Non mais c'est faux, je suis pas là, je suis en train de jouer à GTA. Toujours aussi. On t'entend quand même. Ouais, ça va pas être loin. C'est un enregistrement.
En fait, on a toutes les phrases que Marc peut dire enregistrées et on les lance. Alors, Benoît, bon, en tout cas, ça fait plaisir de, te, de t'avoir pour cette nouvelle émission. Ouais. Donc, Zelda, un link entre deux mondes, ça a été annoncé par, par Nintendo comme étant la, la suite de Link to the Past qui est sorti sur la Super NES. Je suis en 92, merci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Et mais comment ça se passe? Alors oui, 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 c'est vrai que là-dessus, Link Between Worlds, c'est tout à fait une suite à Link to the Past. D'ailleurs, ça fait plaisir, parce que c'est vrai qu'à mon avis, je pense que dans l'esprit des gens, enfin pour ceux qui ont connu un peu les débuts, Link to the Past est limite un des meilleurs épisodes, en tout cas de la série Zelda. Ouais. Donc ouais, ça se passe, il me semble que c'est quand même quelques années plus tard, hein, parce qu'on retrouve, on n'a pas notre même Link, et je pense que c'est pareil au niveau de la princesse Zelda, ça doit être une descendante aussi. Il y a le temps à passer, hein, on retrouve bien notre univers, les musiques et tout le reste. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est une suite bien, bien gentille. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai qu'ils ont vraiment fait un travail qui est quand même assez assez impressionnant. Enfin, on va dire que déjà les textures de Link to the Past, bon, forcément c'était de la Super NES, donc c'était pas non plus c'est pas non plus ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur sur PS3, hein, bon, loin de là. Mais ils ont fait un beau travail pour en tout cas les transcrire dans une 3D vraiment très très mignonne qui reprend bien le, l'univers. Les musiques aussi, c'est pareil, ont été la bande son a été retravaillée et donc c'est un vrai plaisir pour tout connaisseur de Link to the Past de replonger dans cette aventure. D'accord, donc ils ont réarrangé les musiques de Link to the Past pour les mettre sur la, la version 3DS. Tout à fait, ils les ont d'accord. réarrangés, sachant qu'ils en ont quand même, il me semble qu'ils en ont adapté d'autres également. Ouais. Ils disaient que, qu'il y en avait une ou deux et ouais, qu'ils venaient peut-être d'autres Zelda, mais après, faut vraiment tendre l'oreille, quoi. D'accord. Alors après, tu dis que c'est la suite de Link to the Past, tout ça, que ça reprend à peu près même code, même univers. En termes de gameplay, après, est-ce que on retrouve le gameplay de Link to the Past malgré que ça soit en 3D, ou est-ce qu'il y a des petites subtilités quand même? Alors, on retrouve exactement le même gameplay, donc avec la vue en trois quarts, ouais. Donc vue à quasiment du dessus. La 3D en fait ça va plus apporter la profondeur par rapport au décor et par rapport les énigmes, mais en, surtout parce qu'il joue beaucoup dans Link to the Past sur les différences entre les étages, que ce soit dans les donjons ou par rapport aux falaises, les choses comme ça. Après, ouais, c'est vraiment la même prise en main, sauf que c'est amélioré puisque là, on a les déplacements sont un peu plus fluides. Mais dans l'idée, on remet vraiment la main sur un Link to the Past amélioré avec un nouveau scénario, un peu de nouveaux objets et des nouveaux donjons, quoi. Même la carte est quand même sensiblement différente, ouais. Puisque justement, on retrouve pas là comme il y a dans beaucoup de Zelda et comme il y avait dans Link to the Past, mmh. On retrouve pas donc le monde normal et le monde des ténèbres, mais le monde normal toujours, et sauf que là c'est l'Orule, c'est un nouveau monde en fait. L'Orule ? L'Orule, ouais. Hyrule, l'Orule. Ils ont été chercher ça quoi. Je ne sais où. Ils sont pas emmerdés quoi pour les noms. Ouais ouais c'est ça, mais c'est sympa, en fait c'est un pseudo monde des ténèbres avec là ce coup-là des vrais habitants, alors ouais. Que dans Link to the Past en fait c'était le monde normal où tous les habitants avaient été transformés, là c'est vraiment un peu un monde à part, même si ça reprend grandement, ils ont fait beaucoup de clins d'œil au monde des ténèbres, mais le découpage est un peu différent, puisque la progression aussi en elle-même est différente dans cet épisode-là. D'accord, ok, effectivement. Après, bon, voilà, tu me dis que c'est assez ressemblant. Il y avait quand même une petite subtilité qui a été vue beaucoup dans les vidéos, c'est le fait que Link peut se mettre comment sous... Petit truc qui a été vu notamment dans des vidéos, c'est que Link peut se transformer, comment dire, comme un espèce de dessin et parcourir les murs. Un hiéroglyphe. Tout à fait. Un hiéroglyphe, ça, merci mon cher. Ça, c'est c'est vraiment, on va dire, le plus gros avantage, la plus grosse trouvaille, on va dire, qui va apporter un peu de fraîcheur à cet épisode-là, c'est que, on va dire, qu'au bout du 2 ou 3e donjon, par rapport aux personnages qu'on va rencontrer, ouais. On va se faire transformer justement en tableau, parce que ouais. Ça joue beaucoup là-dessus. Sans spoiler, on voit bien dans les vidéos, en fait, il y a encore la quête des 7 sages, mais là, ce coup-là, en fait, ils ont été transformés, et en fait, nous aussi, on va l'être.
peut-être, mais comme on aura un article, enfin un objet un peu particulier, on va pouvoir ressortir des murs. D'accord. Et en fait, ils vont beaucoup jouer en termes d'énigmes, et même dans le monde, en fait, à chaque paroi qu'on va trouver, on va pouvoir se coller contre le mur et se déplacer, sauf que ça va consommer la barre d'endurance, quoi. Donc c'est un peu limité en temps, mais on peut vraiment se plaquer pour se cacher des ennemis et pour trouver des passages. Et ça, là-dessus, la 3D, elle joue beaucoup, et c'est vrai que ça apporte une nouvelle dimension, même si dans un sens, c'est une dimension en 2D, mais ça apporte une nouvelle dimension au jeu, quoi. D'accord. Alors après, l'un des gros points forts, en tout cas des Zelda, c'est notamment les donjons. C'est là où on les attend. Oui. Est-ce que là, vivre dans un donjon, c'est formidable. Est-ce que c'est formidable pour un Link qui a la pneumonie? Alors là, ouais, les donjons sont, ils apportent quand même des, ils sont complètement revus. Hein. Là-dessus, il n'y a aucune similitude avec les donjons, que ce soit dans le monde normal ou dans le monde des ténèbres, il n'y a aucune similitude avec les donjons de Link to the Past. Ouais. Ils sont bien faits. Compliqué, je dirais pas forcément ça. En fait, le plus compliqué, on va dire, dans la globalité du jeu, ça va être de, pour ceux qui voudront le faire à 100%. Là, il y a peut-être un petit peu plus de challenge, mais autrement, ouais. Le jeu en lui-même, bon, il y a quand même quelques donjons qui sont très coriaces, où tu tournes quand même un peu en rond, mais autrement, ils gardent bien leur âme de d'énigme, à savoir récupérer telle clé pour ouvrir la porte. Mais là, le problème, c'est comme on joue beaucoup avec rentrer dans les murs, utiliser les différents objets. Ouais. Puisqu'en fait là c'est bien en même temps que tu lances là-dessus. Un avantage, en fait, je sais pas exactement pourquoi ils ont voulu faire ça, mais en fait dans le premier Link to the Past, tu récupères les objets au fur et à mesure des donjons. Et ouais. Qui permettait en fait d'avancer justement au fur et à mesure et de pas aller trop vite ou quoi que ce soit. Ici en fait tu vas avoir un mec, un marchand que tu sais pas trop d'où il vient, qui va s'installer chez toi et qui il vient du Maghreb, hein, si c'est ça. C'est ça à peu près, mais en même temps il a une cagoule, alors on voit pas trop. Je vais pas repentir. Et donc ce petit personnage, en fait, il va nous proposer toutes les armes principales à la location, puis à l'achat, mais ça c'est plus loin dans le jeu, et ce qui fait qu'en fait on va avoir la possibilité assez rapidement de faire les donjons dans le sens qu'on veut. Sachant qu'il va y avoir quand même certains objets qu'on récupérera que soit dans les donjons ou soit par rapport à l'histoire et qui vont quand même nous ralentir un peu dans la progression. Mais autrement, on peut vraiment faire le jeu dans le sens qu'on veut, contrairement à Link to the Past. Et les donjons en eux-mêmes, c'est toujours la progression classique des épisodes 3D, à savoir tu trouves la carte, tu trouves la boussole, tu trouves la clé du boss. Où il n'y a alors, que la clé du boss. Ils ont enlevé la carte, puisque la carte, en fait, elle apparaît automatiquement sur ton écran, donc tu vois déjà toutes les pièces qui existent, mais par contre, il y a bien la boussole et bien la clé du boss. Et l'écran tactile est mis à disposition, comme sur les épisodes DS, ou c'est un peu oublié ça? J'ai pas noté si on pouvait écrire des choses dessus. Ouais. Je sais que on peut placer des épingles sur la carte du monde, mais sur les donjons, je crois que tu peux simplement pareil placer des petites épingles et non pas écrire dessus comme c'était fait quoi avec un bloc-notes. Ouais, mais je me dis y en a pas besoin en même temps. Pas forcément pour la carte, mais genre pour les objets. Je me souviens, on pouvait avec le boomerang, on donnait des coups de stylet. Enfin, ce jeu tout aussi stylé comme les autres. En fait, dans cet épisode-là, pour le dire simplement, j'ai jamais utilisé l'écran tactile, à part pour naviguer dans les menus. Tu n'utilises pas les objets avec l'écran tactile, ils sont assignés à des touches, en fait. D'accord, effectivement. Disons que j'ai l'impression qu'au global, on a un univers qui a l'air assez chouette, qui en plus de ça plairont aux nostalgiques des Zelda. Un gameplay qui me paraît solide, des donjons plutôt bien foutus, une bonne prise en main, je suppose. J'imagine qu'il y a une bonne durée de vie également. C'est un très bon épisode de Zelda. Ouais, un très bon épisode. Moi, en fait, le seul hic. On va dire que j'ai pas eu besoin de, je suis pas mort une seule fois, donc c'est vrai que comme il disait, c'est un Zelda, donc après il y a jamais trop de difficultés, c'est plus les énigmes qui vont être torses. Ouais. Mais dans l'ensemble c'est un bon épisode. Il y a quelques énigmes qui sont quand même casse-couilles pour ainsi dire, parce que qui m'ont bien fait tourner en rond un petit moment, mais sinon l'épisode est pas forcément long, mais comme les autres Zelda il y a une durée de vie assez sympathique, je dirais. D'accord. Bah écoute. Il me manquait pour l'anecdote, pour avoir le 100%, il me manquait que 4 quarts de cœur. Je suis dégoûté. Je l'ai fini hier et il manquait 4 quarts de cœur, quoi. Un cœur complet. C'est une honte. Tu n'aurais jamais dû tester ça pour nous, mais c'est horrible. Mais que sont ces testeurs qui ne finissent pas ces jeux à 100%? On les oblige à jouer. On a brisé 9, une vie. C'est bon, on ne fera plus jamais appel à toi jusqu'à la prochaine fois, on est dans la merde.
Bah écoute, bah ouais, merci à toi Benoît. On a ton verdict sur Zelda. Donc voilà, pas grand chose à redire si ce n'est que c'est un ouais. Encore N'hésitez un bon pas, Zelda. Franchement, pour ceux qui ont aimé Link to the Past ou même la série en elle-même, foncez parce que c'est vraiment un très bon épisode. Tu dois lui mettre une note de 1 à 77. Attends, redis Marc, je crois qu'il a pas entendu du coup. Si tu dois lui mettre une note. Si je lui mettrais une t'as pas entendu la fin de la phrase. Hein. Il a dit si tu pouvais lui mettre une note entre 1 et 77. Ah d'accord, entre 1 et 77, je lui mettrais 66. Il répond en plus. Ou 69. Oh les frontés. 69, ça c'est ton petit big up à Marc. En tout cas, merci Benoît de ce test de Zelda. Et puis on te retrouvera hein, certainement. Tu reviens quand tu veux. Exactement, marche, par téléphone. Pas, je reviendrai, c'est sûr. Merci à toi, à très bientôt, mon cher Benoît. Ciao, bye merci bye. Merci à vous. Salut, ciao. Benoît, que vous pouvez retrouver sur le site RPG France. Hein, il teste les. Alors, c'est un site de RPG occidentaux, mais il teste les RPG japonais. Hein, donc, c'est le résistant. Ouais. C'est le résistant. Donc, si vous voyez des tests de. Il teste des bijoux comme Tales of Xillia. Voilà. Le pauvre. Tales of Grace, Blue Dragon, Lost Odyssey. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site et ses articles qui sont toujours très très bien écrits, comme vous avez pu le constater en écoutant ce soir. On va passer à un autre jeu. Cette fois-ci, c'est sur console de salon. C'est le dernier né. D'un de mes petits coups de cœur, hein, je vous le dis directement. C'est le dernier épisode de Ratchet & Clank Nexus. Et c'est tout de suite après ça. Des lombax dans ta région. Les lombax, c'est la race de Ratchet. Ratchet qui nous revient pour le sixième épisode de la PS3 quand même. Mmh. Le premier c'était Opération Destruction et c'est arrivé fin 2007 sur PS3. Ouais. Bon, moi je le cache pas, j'ai acheté la PS3 pour lui à la base. Ah, je suis je dis. Non, moi mais toi, qui... non, fais gaffe à ce que tu vas dire, tu n'as pas joué à Opération Destruction. Moi qui prends toujours train de retard, je suis en train d'y jouer en ce moment. Trop de balle. Il joue avec la version que j'ai achetée à laquelle j'ai jamais joué. <T'as dépisté. rire> Pour la petite anecdote. Donc Ratchet & Clank revenu après avec un petit épisode qui s'appelait Quest for Booty. Après le meilleur épisode de la PS3, A Crack in Time. Il y a eu un épisode multijoueur qui s'appelait All for One. Qui était excellent. Il y a eu un Tower Defense donc qui s'appelait Q Force. C'était un peu moins. Non, mais il était sympa. Il était vraiment très très sympa. Et le dernier épisode donc qui s'appelle Ratchet & Clank Nexus qui est sorti donc il y a 2 semaines, 3 semaines à peu près. Sur Google Nexus, le téléphone de Google. Ah bon. Non. Qui est sorti donc exclusivement sur la PlayStation 3, à un petit prix, 25-30€, ouais. grosso merdo. Alors, Ratchet et Clank, le duo toujours aussi charismatique. Là, ils sont dans leur vaisseau et en fait, ils doivent transporter. Ratchet tombe à l'eau. Je vais le tuer ce mec. Ils doivent transporter dans sa cellule un personnage qui s'appelle Vendra Prog, qui est une espèce de sorcière avec des pouvoirs un peu chelous quand même. Et donc ils sont Ratchet & Clank, c'est dans un univers de science-fiction hein, pur et dur. On va dans visiter plein de planètes. Et il y a un problème sur le vaisseau. Et du coup la nana elle commence à libérer ses pouvoirs et à foutre un peu la merde dans le vaisseau. Donc on va être là et on va assister à une de la première petite nouveauté en tout cas de cet épisode, c'est les passages avec zéro gravité, puisqu'on va se retrouver dans l'espace un peu vagabondé, mais bon, évidemment. Je suis dans l'espace. Ratchet a ses bottes magnétiques pour pouvoir se coller à les parois du vaisseau. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate dans ces premières minutes de jeu, c'est que c'est toujours aussi beau. La série Ratchet & Clank ne déçoit pas depuis le premier épisode en 2007 sur PS3. C'est toujours aussi bien réussi, aussi bien animé, que ce soit les personnages, mais également l'univers aux alentours. Très sincèrement, la concurrence ne fait pas mieux. Moi, je trouve
que d'un point de vue technique, c'est toujours super chouette. En plus de ça, les cinématiques sont quasiment à la hauteur de ce qu'on voit chez Pixar. Enfin, c'est superbe, superbe, superbement léché. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je dis ça, puisqu'il y a un film en synthèse de Ratchet & Clank qui sortira en 2015. Fait par le studio lui-même, d'Assomniac. Vous l'avez su ici en premier. Comment ? Vous l'avez su ici ouais, en premier. Ouais, exactement, ouais. On vous l'a dit directement. Donc, on va voir ces petites nouveautés de gameplay. Et puis, bah, Ratchet et Clank vont être lancés à la poursuite donc, de ce personnage Vendra Prog et de son frère jumeau qui s'appelle, je ne me rappelle plus, mais c'est un espèce de gros gorille un peu débile. Enfin, pas si débile que ça, il est un petit peu touchant, mais bon, bref. Et on va se remettre à visiter des planètes pour retrouver la trace de ce personnage Vendra Prog qui essaye de libérer un monstre galactique venu de je ne sais où, mais bon, bref, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a dans le jeu on a un Ratchet & Clank qui se veut classique dans son approche. Bah, ça reprend les premiers Ratchet de la paix, les premiers Ratchet quoi. C'est que du solo cette fois. Donc oui, il n'y aura pas de multi comme on a vu dans Roll for One ou dans Q-Force. Donc ça revient aux formules des premiers Ratchet, que ce soit de la PS2 ou de la PS3. Quoi. Voilà. Alors avec quand même un peu moins d'ambition que l'épisode Cracking Time, qui avait beaucoup plus de choses. Il est peut-être pas plus court. Il y a que 4 ou 5 planètes à visiter. Exact. Donc bon, ça. Il se fait plus rapidement, mais bon, en même temps, il faut dire qu'il est fait à petit prix. Et même Insomniac avait clairement dit que ouais, c'était pas un gros jeu qu'il préparait, que c'était vraiment un petit truc. Ouais, mais même pour un petit truc, donc qui va, on va dire, clôturer la saga Ratchet & Clank sur PS3, c'est quand même plus qu'agréable parce que c'est toujours aussi joli. Après, on s'éclate bien. On s'amuse. En plus de ça, donc c'est le jeu est intégralement doublé en français. C'est un très bon doublage. Moi, j'adore. D'habitude, je crache sur les doublages français. Lui, je trouve super bien parce qu'ils sont vraiment, les acteurs sont vraiment impliqués. De l'humour du début à la fin. Ça, c'est une des marques de fabrique de la série Ratchet & Clank, notamment avec le capitaine Quark, mais aussi avec les méchants qui ont tous souvent des petites remarques à faire. Et également les armes de Ratchet, parce qu'il y a toujours les armes de base, hein, des armes bourrines, tout ça, mais il y a toujours une arme un peu débile. Voilà, vas-y, sors là, vas-y, parle-en de ton arme à la con. On a une arme qui transforme les ennemis en bonhomme de neige. Et donc ça fait la chanson Jingle Bells quand on l'utilise. Voilà. Le c'est... truc parole. Heureusement que je joue pas sinon, avec toi. Sinon, il y a un truc absolument génialissime. En gros, c'était présent dans les autres Ratchet, mais il y a une arme qui s'appelle Monsieur Zurkon. Oui. En gros, en fait, c'est un robot qui apparaît aux côtés de Ratchet et qui l'aide pour tuer les ennemis. Exactement, qui tire sur les ennemis. Sauf que Monsieur Zurkon a toujours des petites remarques, Monsieur Zurkon pas besoin de boulons, il se nourrit de la peur de ses ennemis, enfin des trucs comme ça. Quoi. Et dans cet épisode, il y a la famille à Zurkon, donc il y a Madame Zurkon et Zurkon Junior, qui ont tous leurs petites phrases débiles à dire. Ouais, t'imagines le sitcom américain des années 70, famille Zurkon. Genre Madame Zurkon qui va dire, tu dois mourir très rapidement, j'ai mon cours de yoga juste après, ou truc comme ça. Ou encore Zurkon Junior qui va sortir parce que dans Ratchet la monnaie c'est les boulons que vous récupérez, vous l'avez compris, qui va dire moi j'ai pas besoin de boulons, je gagne de l'argent de poche en massacrant. Et là petit réenregistré, bah, oh Zurkon Junior. Donc voilà, non, c'est vraiment fandard, surtout que le jeu est assez bien, je trouve qu'il est assez bien rythmé malgré pour que ce soit un petit épisode, c'est à dire qu'on s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose, on reste jamais dans la routine, soit on va voir de l'action, soit on va voir de la plateforme, un chouïa de réflexion, je dis bien chouïa, ça va vraiment être très léger pour pas nous ennuyer. Il y a des phases où on jouera avec Clank. Également, en fait, c'est des phases très réussies. C'est en 2D. En fait, on peut modifier la gravité à tout moment dans ces phases-là. Avec le stick droit, si on appuie en haut, la gravité sera au plafond. Si on appuie à gauche, ce sera à gauche, etc. Donc il faudra jouer avec ça pour faire progresser Clank dans les niveaux. Exactement. Les niveaux où on l'incarne. Ils sont en général assez courts. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très très bien foutus. Virtuellement, c'est vraiment de la plateforme pure et dure. On va jouer, comme tu l'as dit, sur la gravité. C'est vachement bien foutu. Il y a même des moments où il va falloir être assez speed pour passer entre les obstacles. Voilà. Donc c'est vraiment rythmé. Moi, ce que j'adore aussi dans la série Ratchet, c'est le dépaysement total. À chaque fois, on va arriver sur une nouvelle planète. Moi, à chaque fois, j'en prends plein la gueule depuis l'épisode de 2007. Il n'y a pas de planète qui se ressemble. Quoi. C'est exactement son propre environnement. La dernière planète, on va pas spoiler, mais la dernière planète est juste géniale, véritablement. Voilà, on a vraiment une aventure qui est super sympa, qui est vraiment super cool. Moi, je sais que les Ratchet, je conseille à tous ceux que je croise parce que je trouve que c'est super fandard, super amusant. Là, c'est le 6e épisode sur la PS3, on peut dire bon, ça en fait beaucoup, mais c'est vrai que comme il y a eu des épisodes multijoueurs qui se jouaient un peu différemment, voilà,
ça coupe un peu. En tout cas, moi j'ai pas gâché mon plaisir, même si c'est un petit épisode. Bon, il se termine en je sais plus 6 heures. Ouais, voilà, bah, il se termine rapidement, mais bon, comme je disais, ça reste plus long. Déjà, il est vendu à petit prix, donc ouais. Et puis on s'amuse bien, c'est l'essentiel après. C'est exactement ça. On s'éclate. Mmh. C'est le principal. Avec Ratchet & Clank. Donc voilà, moi j'ai un très très bon avis sur ce dernier épisode. Voilà, si vous aimez Ratchet après, et Clank, on va voir la suite de Ratchet, si ça se fera sur PS4 du coup. Mais on espère, en tout cas on espère beaucoup, puisque la série a toujours ce potentiel qui lui est dû, et j'espère que Insomniac aura plus de moyens en tout cas sur PS4 pour faire un épisode encore plus d'envergure. Épisode, c'est quand même moins ambitieux que l'été Cracking Time, qui lui par contre est vraiment ultra complet. Ouais, Cracking Time, qui est sorti en 2009, mm-hmm. qui a beaucoup plus d'ambition, même scénaristique, hein, il y a pas mal de choses, puis même pour les idées de gameplay, il y avait beaucoup de choses pour Cracking Time. Pour Nexus, on reprend quand même tout ce qui a été fait de bien, mais il y a quand même des choses qui sont épurées, comme les phases spatiales, qui dans Cracking Time étaient vraiment super sympas. Là, c'est qu'on va d'une planète à une autre, on choisit juste sa destination, que dans Cracking Time, on dirigeait directement le vaisseau pour aller d'une planète. Voilà, on voyageait vraiment d'une planète à une autre. Voilà, c'était vachement bien foutu d'ailleurs. Mais voilà, Ratchet & Clank Nexus mérite largement son prix et toute la sympathie qu'on lui porte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller retrouver le Lombax Ratchet, qui n'est pas une race qui existe, hein, parce que moi j'y ai cru au bout d'un moment. J'ai tapé Lombax sur Google, j'ai dit mais merde. J'en ai un chez moi, Lombax. Ah, il s'appelle Jérôme. Je croyais que c'était non. Toi, Clank, tu n'as rien compris. Non, tu confonds. T'as un carbuncle, Nico, et puis t'as pas l'animal, t'as un maladie de peau. Voilà. Non, ne tapez pas carbuncle sur Google Images. Mais tapez Lombax. Oui, tapez Lombax, effectivement. Tu te mets un dit de peau qui s'appelle le Lombax. Oui. T'as des poils qui poussent partout. En attendant les prochains épisodes de Ratchet, que perso, j'attends avec grande impatience. Allez, on va passer... Sur PS4. Sur PS4, j'espère. On va passer à notre dernier jeu de la semaine, l'imprononçable, mais le non moins attendrissant, Tear Away. Mais dans l'ambiance, cette musique de Tear Away, des créateurs de Little Big Planet, le studio Media Molecule, c'est sorti la semaine dernière exclusivement sur PlayStation Vita, pareil à petit prix, 25€ peut-être en téléchargement et 30€ en boîte. Ce qui paraît assez ridicule, mais n'empêche que c'est un bijou. Cette fois-ci, je me trompe pas. Non, mais moi, je veux savoir, Nico, qu'est-ce que ça donne sur le papier? Tu t'es déchiré pour tester le jeu. Tu t'es plié en quatre, enfin, et tout ça. Alors, vous allez comprendre pourquoi ces blagues. Nico va tout vous expliquer. Ouais, donc dans Tear Away. C'est pas si drôle, c'est pas drôle. On va incarner un petit personnage. Ça n'a pas été sponsorisé par Bristol, non. Peut-être. On va incarner un personnage qui a une tête en forme d'enveloppe. Tu t'as regardé. Il a un peu. Et ce personnage doit. Ça va être dur. Ouais, ça va être très très dur. Ce personnage doit délivrer un message. C'est un jeu sur la poste. On est en train de perdre Nico et Mathieu. Est-ce que t'as posé le jeu avant? C'est en recommandé en plus. À qui doit-il délivrer un message? Eh bien à nous, le joueur, tout simplement. Puisque, en fait, dans le monde de Tear Away, il s'est passé un truc étrange, c'est-à-dire qu'il y a un visage qui est apparu en plein milieu du soleil, notre visage. Comme dans l'été de Pi, finalement. Exactement. Ou alors Olivier Besancenot. Ce qui fait qu'à chaque fois que le jeu, on voit le soleil dans le jeu, ben on voit notre gueule, quoi, tout simplement. Et ça doit être traumatisant pour toi. Ah non, c'est moi. Et le but, c'est de notre petit personnage qui s'appelle Yota. Tu sais bien que Nico est un enfant du soleil, ça se voit sur sa gueule. C'est d'aller jusqu'au soleil pour délivrer son message. Et donc, on parle de papier, puisque le monde de Tear Away est entièrement fait en papier. Donc, les décors, tout ce qui est montagnes, les vallées. La pluie est faite en papier. Est-ce qu'il y a un rapport avec Persona Q, TPQ, là, de tout à l'heure? Non, il n'y a pas de PQ dans...
Il n'y a pas de PQ dans le tiroir, ouais. C'est du papier pourtant. Donc tout est fait en papier. C'est un, donc on a un rendu graphique vraiment superbe. C'est donc le jeu en 3D, bien évidemment. C'est donc c'est magnifique. On a tout cet effet. Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait. Ça fait beaucoup penser au niveau de la forme des comment dire des décors, je sais pas, des herbes, toi, des origamis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, on a c'est des personnages comme s'ils étaient en origami. Enfin, tous les décors, les arbres, enfin absolument tout. Et donc ce jeu va utiliser absolument toutes les fonctionnalités de la PS Vita. Qui sont le pouvoir la plier, le deuxième stick. Non, on aura l'écran tactile avant et arrière, l'appareil photo, le micro. D'accord. Donc par exemple, il y aura des ennemis dans le jeu qui vont empêcher notre personnage d'emmener son message. Et donc dans certaines conditions, c'est pour les chiens, tuer, c'est... il faudra si on met notre doigt sur l'écran tactile arrière, on voit notre doigt qui perce dans le jeu. Alors heureusement que vous voyez pas Nico sur le plateau. Là, il nous montre vraiment le doigt, c'est qu'il enfonce dans la Vita. Je sais que t'aimes beaucoup cette console, mais arrête de mettre trop d'amour. Faut savoir que Nico, il ne boit pas, mais il met les doigts. En fait, notre doigt perce le jeu et donc on peut s'en servir pour tuer les monstres. Et par contre, du coup, t'es obligé de trouver ta console. C'est pour ça qu'ils font un bundle pas cher avec la Vita, tiens. Ou pour que notre héros ait sur certaines plateformes, on est obligé de le propulser en utilisant notre doigt. D'accord. Ça, bizarrement, ça fait rire que toi, mais bon. Ouais, c'est pas drôle, Nico. Il y aura des moments où on devra. Par exemple, on verra un personnage qui est tout blanc et, parce qu'il a perdu ses couleurs. Il faudra prendre une photo d'un élément du décor chez nous pour qu'il ait les couleurs du truc qu'on a pris toi, en photo. T'as pris une photo. Genre, c'est ma gueule, par exemple. Par exemple, il y avait un personnage, j'ai pris en photo un sac Micromania, donc il avait une couleur de sac Micromania sur la gueule. Quoi. Ah, la pub. On ne dit pas un sac Micromania, on dit une enseigne bleue. Voilà, un sac, une enseigne bleue. Ouais, voilà. Il y aura des moments où on devra enregistrer notre voix dans le jeu pour soit faire un cri effrayant, soit faire de l'écho, ou des trucs comme ça. Donc, c'est très interactif en tout cas. Voilà, très interactif. Et il y aura d'autres phases aussi où des personnages vont, par exemple, il y a un personnage qui va dire, ah bah, si tu veux gravir la montagne, il te faut des moufles. Donc, on sera devant une planche à dessin, il faudra dessiner des moufles sur une feuille de papier virtuelle et les découper avec des ciseaux virtuels après. Je te demande pas ce que t'as dessiné, toi. Nico, si tu vas aux champignons, prends des moufles. Et donc, il y a plein de personnages comme ça qui vont nous demander de leur dessiner quelque chose. Ce sera une couronne, au moins on doit faire un flocon de neige, une citrouille, enfin, il y a des tas de trucs. Bon, le seul problème, c'est que c'est pas super précis en fait, puisque de dessiner quelque chose de correct, donc on se trouve toujours à faire des trucs un peu grossiers. Je fais pas de stylet sur la Vita, il faudrait qu'il sorte TiroWay sur 3DS, quoi. Ouais, mais non. Et le jeu ne cesse de nous surprendre au fur et à mesure qu'on avance, les situations. Il y a une ligne de rive en plus correcte, je pense. Ouais, il faut une dizaine d'heures. Ouais, 10-12 heures pour le terminer. Sachant qu'ils sont malins, parce qu'il y a plusieurs moments où on croit que c'est fini. Ouais. Mais c'est pas fini. Ah bah, si tu finis le jeu au bout d'une heure, non, c'est pas fini. Ah, parce qu'il y a certains tests où ils disaient qu'on finissait le jeu en 3 heures, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est les mecs qui ont dû croire que le jeu était fini, ils ont pas continué, on est comme ça. Ils ont tourné la page. Puisque, ouais, il y a des moments où on se dit, ah bah, ça y est, on dit c'est la fin, et puis paf, il se passe un truc, et on est reparti de plus belle dans l'univers du jeu, quoi. D'accord, effectivement. On a des musiques qui sont excellentes. Vous avez pu l'entendre. Le site est un peu dur de la feuille. Putain. Il déchaîne celui-là. Achouez-moi. On pourra customiser notre petit bonhomme aussi en lui collant des autocollants. On pourra changer sa bouche, ses yeux. On peut lui mettre un poireau sur la tête. Oui, c'est ce que j'ai fait exactement. Il l'a partagé sur Facebook parce que ce jeu est un peu social aussi. Ouais, en fait, à chaque fois qu'on prend une photo, on peut la partager sur une photo dans le jeu, on peut la partager sur Facebook. Pour spammer tes amis. Et régulièrement, le jeu vous demande de prendre des photos, genre un personnage qui dit ah bah si tu pouvais me prendre en photo, ce serait cool, ou un truc comme ça. Tu dois inviter 15 amis Facebook pour pouvoir continuer ce niveau. TiroWay, ça m'a l'air d'être très bien, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus que ça même. Je sais pas. Est-ce que c'est ton jeu papier de l'année? Non, mais c'est un des meilleurs titres de la PS Vita. Ça, il y a pas de. Moi, avec Gravity Rush, tu vois, ça serait les deux meilleurs titres de la console. C'est pas grand big. Il y a plein de jeux bien sur la PS Vita. Est-ce qu'il y a une notice papier dans la boîte? Non, c'est pas de notice.
Est-ce qu'il y a un message écolo quand même derrière? Alors, ce qui est bien, c'est que quand on prend un certain personnage en photo dans le jeu, ça nous met un lien pour aller sur un site où on nous apprend à faire le personnage, à créer le personnage en vrai, en papier, quoi. D'accord. Comme si tu voulais le faire chez toi, donner. Ah oui, d'ailleurs, tu en as un que tu as fait toi-même juste devant toi, là, dans le studio. Regarde. Il est beau. Il est magnifique. Non, regardez, non, il n'y a pas de caméra ici. Hein, c'est de la radio. Regardez bien dans vos enceintes. Vous voyez un petit truc rouge, bah, c'est Nico. Enfin, c'est le personnage de Nico. C'est dégueulasse quand même. Tiro, ça m'a l'air d'être une perle, tout simplement. Oui, 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 c'est évident. Je passerai totalement inaperçu. Hein. J'en ai bien peur, mais pourtant, voilà, c'est un jeu qui a un super potentiel. On s'ennuie pas une seule seconde dans le jeu. On est émerveillé à chaque moment. Tu dis, ouais, c'est super bien par fait. Par contre, j'ai eu le sentiment que le jeu était de manière, enfin, avait un univers enfantin, tout ça. Je suppose que le jeu est pas compliqué du tout. Bah, il est facile. Sachant qu'on peut pas mourir, en fait. C'est-à-dire, enfin, si notre personnage se fait touché deux fois par un ennemi, par exemple, il meurt, mais il réapparaît précisément à l'endroit où il est mort. D'accord. Quoi, quasiment. Il n'y a pas de challenge, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment de l'aventure. Bon, ça se voulait, de toute façon, j'ai l'impression que dès le début, ça ne se voulait pas comme un jeu gamer. Donc là-dessus, ça me dérange pas. Media Molecule qui prouve encore une fois qu'ils ont du talent. Et après oui. Little Big Planet, qui est très riche en termes de design, en termes de créativité. Pour le mode solo, parce qu'après on peut créer nos alors propres sachant niveaux. Que dans Tiraway, il n'y a que du solo, hein. Il n'y aura pas de partage multi, de création de niveau ou d'autres. Si vous voulez faire du Tiraway, il faut choper le pack Tiraway pour YouTube Big Planet. Voilà. C'est enchanteur, il y a de belles musiques, une super progression. Le jeu se fout pas de notre gueule, parce qu'en plus de ça, il est long. En plus, il est vendu. Plus de ça, à petit prix. J'ai envie de dire, pour ceux qui veulent changer d'air, même sur console portable, en tout cas sur la PS Vita, c'est le jeu parfait, quoi. Ouais, bah, c'est clair, quoi. Je me suis vraiment éclaté avec ce titre. T'as un petit coup de cœur de ces derniers mois. Franchement, c'est mon coup de cœur de la Vita. Par rapport à Tales of Xillia. Ah non, bah, je peux pas, quoi. Tales of Xillia, non, moi, par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est un jeu qui a une grande rejouabilité, quoi. Est-ce que c'est un jeu que tu vas refaire plusieurs fois? Pas mal de choses à collecter, en fait, qu'on pourra pas forcément collecter. Parce qu'en fait, on gagne des pouvoirs au fur et à mesure du jeu. Donc, il faudra revenir en arrière ou refaire des chapitres pour collecter, pour avoir tout à 100%. Il n'y a pas tout l'aspect création de niveau. Non, il n'y a pas de création. Le seul truc que tu crées, c'est quand tu fais des dessins, quand tu crées des moves ou des trucs comme ça. Le boss de fin, c'est une paire de ciseaux. Non, la fin est géniale, par contre. C'était, c'est Monsieur Gilbert Joseph. Dans la fin, disons que la relation entre le joueur, enfin le joueur et le jeu. Le joueur et le jeu, et dans la fin, c'est absolument génial. C'est, ça atteint son paroxysme, quoi. C'est sublime. Ouais. Parce que ça utilise même l'imprimante. Ça utilise l'imprimante de la PS Vita que tout le monde avait oublié. Ça te sort une feuille et là tu dis ouah, ils ont vraiment pensé à tout. Non, et je franchement, la fin, génial, excellent. Okay. Bah écoutez, vous savez tout sur cette petite perle Tiraway. Donc si vous possédez la PS Vita, c'est-à-dire Pierre-Marie et moi, eh bien n'hésitez pas à foncer dessus. Hein. Encore une fois, c'est un très bon jeu qui sort exclusivement sur la Vita. Ouais. Ils sont rares, ça on peut pas dire. Ouais, le prochain sera Gravity Rush 2. Ouais, bah on en parlera en début 2015, mon cher ami. Bah écoutez, tout ça c'est super. Il nous reste quelques minutes pour la rubrique de fin de mois, c'est la rubrique coup de cœur. Coup de gueule. Et je vais commencer par quelqu'un qui n'a pas trop parlé, parce que je sais qu'il a un coup de gueule monstrueux à dire. C'est Marc qui va nous expliquer tout ça. Par contre, il concerne pas, il date pas de ce mois-ci. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Ça date plutôt depuis la moitié de la PS3, en fait. La moitié de la durée de la PS3. Les trophées. Non, c'est pas les trophées, c'est le fait que de plus en plus de jeux demandent pour voir leur intégralité un DLC, en fait. Ça veut dire que quand un jeu sort... Je vais donner un exemple, par exemple, un jeu que j'ai bien apprécié d'ailleurs, le deuxième Batman, Arkham City. Quand il était vendu, on avait notamment comme argument le pouvoir jouer Catwoman, pas mal de Robin, personnages tout ça, à affronter, pas mal d'ennemis. Et finalement, on se rend compte que sans le DLC, qui est disponible que dans la version collector ou après achat... Ouais. Eh bien, il y a un tiers du jeu qu'on zappe, en fait. Ouais, c'était pareil, moi je me rappelle, pour Assassin's Creed 2. Alors, Dieu sait que c'est un jeu que j'ai pas aimé, mais j'ai quand même fini. Donc, le jeu est séparé en chapitres. Et à un moment, on passe du chapitre, je vais dire une bêtise, mais c'est ça, on va passer du chapitre 12 au chapitre 15. C'est-à-dire que les deux DLC qui nous manquent, les chapitres 13 et 14, sont disponibles en DLC. Effectivement, c'est pas. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Moi, j'ai un exemple, c'est dans Asura's Wrath. Où en fait le dernier chapitre du jeu, parce qu'en fait quand on finit le jeu ça se finit pas, on se dit mais pourquoi, et j'ai loupé des trucs. En fait le dernier chapitre du jeu était vendu plus tard en DLC. Et du coup il y a un personnage, on a trop envie de savoir ce qui va lui arriver et on ne sait pas si on ne paye pas.
Et ça, c'est vraiment, effectivement, c'est un coup de gueule. Alors, voilà, certes, c'est pas sur ce qui s'est passé au mois de novembre, mais effectivement, c'est vrai que c'est, enfin, voilà, c'est toujours chiant d'avoir ces parties-là qui sont à payer, où on nous demande de raquer de la thune. C'est-à-dire que le jeu coûte déjà 70 euros si on l'achète neuf. Et en plus de ça, on va nous demander de payer un supplément pour voir ce voilà, qu'on a. Voilà, on a eu le coup pour Dead Space 3 aussi, le dernier moment où il fallait. Ah, mais ça, c'est un mauvais jeu. Le dernier chapitre où il fallait l'acheter en DLC pour voir la vraie conclusion du jeu. Non, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'à la base, le DLC, c'était juste des petits skins, des vêtements, des trucs totalement facultatifs. Ou même des missions supplémentaires, mais des choses qui pensaient à toi tout con. J'ai fait Kingdom Hearts HD il y a pas longtemps. Pourquoi ? Et donc, il y a l'épisode Chain of Memories qui est dans la compilation. Et quand on finit Chain of Memories avec Sora, donc le personnage principal, on débloque un mode où on fait l'aventure avec Riku, donc l'ami du héros. Il a sa propre aventure, en fait. Et je m'étais dit que si le jeu était sorti maintenant, que ça allait être une nouveauté, oui, Riku aurait été en DLC. Ça va, c'est clair. Les Kingdom Hearts, c'était un peu des DLC, mais en boîte, parce que à chaque fois, t'as eu la version de base et la version généralement remix où t'avais les contenus supplémentaires. Ouais, alors, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont acheté les deux versions. Au Japon. Ça concerne que le Japon, tout ça. Oui, voilà, mais ça mine de rien, c'est des DLC qui t'obligent à racheter le jeu en entier. T'as souvent des exemples, parce que ça, Kingdom Hearts, ça me paraît un peu obscur pour les joueurs, pour les auditeurs, mais l'exemple des Street Fighter, par exemple, des Street Fighter, tu prends Street Fighter 4, qui est le dernier, t'as 3-4 versions qui est de Street Fighter 4, le normal, le turbo, le alpha, le je sais plus quoi. Avec des sauvegardes non compatibles. Le Super Street Fighter 4, avec, comme tu le dis, récemment, on a eu Dead or Alive 5, qui a eu Dead or Alive 5 Ultimate. Avec de nouveaux personnages. Maintenant, limite, on punit ceux qui achètent le jeu rapidement mais parce qu'ils n'auront pas les DLC. Après, ils vont sortir une version Game of the Year, il y aura tous les DLC. Qui est très pratique pour les gens qui sont pas pressés. Ils punissent ceux qui achètent les jeux en premier. Quoi. Après, il y en a qui vont faire ça bien. Si je prends exemple de Soul Sacrifice sur PS Vita, il y a des tas de DLC, mais ils sont tous gratuits. Oui, ils sont tous gratuits. Après, ça, c'est la politique qui veut. Je me rappelle pour Tekken Tag Tournament 2, les personnages. Bon, après, c'était débile, mais les personnages étaient en DLC gratos. C'est débile, autant les mettre tout de suite sur le CD. Oui, après. Bon, voilà, après, ouais, certainement, un truc obscur. Pour que ceux qui précommandent aient une exclue sur certains personnages, et après, tout le monde a eu vraiment tous les personnages. Début, mais bon, c'était pas forcément très, très intelligent. Mais voilà, effectivement, il y en a qui font ça de manière cool. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être pour sous-sacrifice, tiens, on va pas tout mettre sur le jeu. Bah, vu qu'ils développaient des nouveaux boss à chaque fois dans sous-sacrifice, donc ça venait au fur et à mesure. Exactement. Donc, autant prendre de la place sur nos Vita à nous, déjà que les cartes mémoire sont hors de prix, mais bon, bref. Mais voilà, effectivement, c'est vrai que ça va toujours être agaçant d'avoir ces DLC. Ça, c'est un coup de gueule. Je pense que d'ici 5 ans, avec la PS4 et Xbox One, on aura le même débat et ça sera peut-être même empiré d'ici là. À qui je vais passer ? Nico, tiens, allez. Moi, j'ai pas spécialement de coup de gueule. Par contre, un petit coup de cœur, on sait tout con. Je me suis pris d'affection pour un jeu. Oula. En fait, j'ai attention, parce que là, il nous a fait son petit coup de cœur, le plus homo que j'ai jamais vu. Là. C'est trop mignon. J'ai un ninja dans mon iPhone, en fait. Mais un ninja dans ton iPhone. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Clumsy Ninja, qui est gratuit sur iPhone. Alors, moi, je me disais, mais ça va être quoi cette merde et tout ça. Et donc, c'est Jérôme que je salue s'il nous écoute. Il me dit, mais si, vas-y, télécharge-le, ça va être génial. Donc, du coup, je l'ai récupéré. En fait, voilà, c'est un jeu où c'est comme un Tamagotchi, mais avec un ninja, qu'on va l'entraîner pour qu'il apprenne à se battre et tout. Parce qu'au début, c'est un gros manche, il sait rien faire. Ouais, je comprends que c'est Jérôme qui te les conseille. Mais c'est super addictif, quoi. Du coup, tu lui fais ses petits entraînements, tu fais sauter sur son trampoline, taper sur son set de frappe. Il parle de Jérôme ou du ninja, là? Je suis pas sûr. J'ai perdu le fil. Je parle du ninja. Non, mais voilà, c'est. Ouais, encore de l'exercice. je trouve ça génial. Ouais, je suis content pour toi. je suis vraiment heureux pour toi. T'as dit. Non, mais heureusement que t'es pas. Ceux qui ont un iPhone, t'es vraiment. Comment ça s'appelle, t'as dit ? C'est Clumsy Ninja. Clumsy Ninja, d'accord. Le ninja maladroit. Ah, ouais, tu as Clumsy avec ton ninja, toi aussi. Pierre-Marie, remonte le niveau. C'est quoi coup de cœur, coup de gueule, qu'as-tu choisi ? Bah, j'avais un coup de gueule sur le DLC, mais du coup, il a été fait aussi. Ouais. Pauvre mythe. Non, c'est vrai. Sauf si que moi. Je peux dire, j'avais un coup de gueule sur les DLC, mais bon. Non, mais. Moi, j'avais un coup de cœur sur le ninja dans mon iPhone. C'est vrai, mais moi aussi, je voulais partir d'un truc il y a longtemps. Je voulais partir des tenues en DLC pour Xillia qui sont hors de prix, qui apportent pas grand chose.
chose. Alors que voilà, il y a des. Mais voilà, on a déjà assez parlé des DLC, je trouve. Et petit coup de cœur, parce que ça n'a pas sa place dans les actus tant que c'est à l'état de rumeur. Mais il y aurait une rumeur comme quoi Telltale, le studio qui est à l'origine de The Walking Dead et The Wolf Among Us, qui sont des très bons jeux dont j'avais déjà parlé lors du précédent coup de cœur, ils vont peut-être récupérer la licence Games of Thrones. Alors, sachant qu'ils sont très bons pour les adaptations de licence, sauf pour Jurassic Park, et ça risque de donner quelque chose de pas mal, mais voilà, ça reste de la rumeur, donc à prendre avec des belettes. Ah bah, tant qu'on est dans les rumeurs, si je pouvais en placer une petite. Vas-y. Il semble apparemment. Ah, c'est facile, maintenant les rumeurs. Il y aurait. C'est pas le plateau, coup de gueule, coup de cœur, coup de rumeur. Non, mais vu que PM en place, on va forcer. Il y aurait un Ni No Kuni 2. Qui serait en préparation pour la PS4. T'as vu ça à côté de la news Bravely Default sur PS Vita? Non, mais je crois que c'est le site qui avait annoncé que Resident Evil Révélation sortirait sur PS3 avant que Capcom l'annonce, tout ça. Donc apparemment, ça serait dans les plannings chez Namco, Ni No Kuni 2. Donc entre Persona en début d'émission et Ni No Kuni, vous avez perdu tous nos auditeurs. Non, d'ailleurs Nico, je sais pas si t'as vu pour Bayonetta. Les créateurs de Bayonetta ont dit qu'ils feraient peut-être le premier Bayonetta sur Wii U si Nintendo était d'accord. Parce qu'ils se disaient c'était dommage. Non mais en fait ça dépend de Nintendo, mais ils trouvaient que c'était dommage que des gens fassent Bayonetta 2 vu qu'il va sortir que sur Wii U sans avoir fait le 1. Donc ils veulent eux sortir sur Wii U, mais ça va dépendre de Nintendo. C'est tout. Bon, moi pour ma part, coup de gueule, je sais pas, c'est la PS4 et la Xbox One, voilà, ça me saoule en ce moment, carrément, j'en ai ras le cul, j'en ai plus que là de ces deux machines. Quoi, d'en entendre parler, parce que je vois que ça à la télé, sur les sites de jeux vidéo en ce moment. Bon, je les comprends, c'est normal. Bah, c'est un peu normal, c'est des anciennes consoles. Ouais. Mais disons que sur deux consoles qui ont tout approuvé, mais de A à Z, parce que pour l'instant le lancement en termes de jeu chez l'une comme chez l'autre est loin d'être folklorique, hein. C'est-à-dire que sur Xbox One vous retenez Forza Motorsport 5 et sur PS4, non, Rise c'est de la merde. Apparemment, on s'y attendait, parce qu'on est les auteurs de Crysis, effectivement on peut pas réaliser des bons jeux. En plus il y a un rabais graphique entre la présentation de Rise de l'E3 et le jeu final. Le jeu reste quand même très beau, on voit que ça a été revu à la baisse, quoi. Voilà, disons que c'est pas, voilà, moi je trouve que c'est pas génial. La PS4 elle a que Killzone à montrer, tout le reste c'est à chier. Moi j'en ai un peu ras le cul, j'entends parler de ces deux consoles là quand elles auront des trucs concrets à nous montrer, c'est à dire des vrais jeux bien faits, bien foutus. Je sais très bien qu'au line-up c'est très difficile d'avoir des très bons jeux. En tout cas voilà, j'en ai un peu plus que marre de voir il y en a une qui chauffe, il y en a une qui chauffe pas, elle est en 1080p, l'autre est en 60 images par seconde. C'est vrai que c'est un peu la guéguerre. Non mais voilà, c'est juste que j'en ai un petit peu marre. En plus de ça, ça laisse pas du tout de vision à d'autres produits, d'autres jeux vidéo qui sortent en ce moment, comme par exemple Tear Away ou quoi que ce soit. Ils passent complètement inaperçus à cause de ça. Donc voilà. On en parlera de ces deux consoles-là d'ici 2 ans, quand elles auront quelque chose à montrer. Parce que pour l'instant, franchement, je suis désolé, c'est pas pour le fait de parler comme un autiste à sa console, la Xbox, pour dire ouvre le menu et le dire 3 fois de suite. Voilà, ou encore de jouer avec deux consoles qui vont surchauffer pour les premières séries. Bon, voilà, j'en ai un petit peu marre, ça me saoule, ça ne nous empêchera pas d'en parler dans quelques émissions. Sinon, mon coup de cœur, c'est une doublette, parce que moi, je joue un peu en retard en ce moment. La doublette, c'est Dragon's Crown et FF14 que je continue à y jouer. Je suis loin de l'avoir terminé, loin de là. J'adore, un petit peu, plus on avance, plus je trouve ça formidable. Et Dragon's Crown, parce que j'avais commencé il y a quelques mois de cela, mais j'avais pas continué. Là j'ai continué, je suis vraiment fan de ce jeu là je trouve fantastique, formidable, et je suis très content d'ailleurs d'y avoir joué. C'est deux très bons jeux, en tout cas qui sont dans mon top 10 de l'année 2013. Voilà, c'est tout pour ce soir les gars, on va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même fréquence. De quoi nous parlerons? Nous serons le 2 décembre, on fera un petit bilan de la Wii U après un an de commercialisation, on parlera du lancement de la PS4, de la Xbox One, ce sera le moment de dire toute la méchanceté que j'ai. Et on va vraiment déballer nos slips. Exactement, voilà, il y aura tout ça, rendez-vous sur le site internet gameonitron.fr, également sur notre page Facebook. D'ici là, amusez-vous bien, passez une bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut. Ciao. Salut.